Maman Lo Kameni a encore frappé. Avant de vous présenter, j'invite tous les sorciers, les démons, les mamie Ouata de ne pas regarder cette vidéo. Action! Si nous on peut percer les murs des petites protections des petits charlatans que vous avez, on peut aussi le percer les murs des petites protections des gendarmes qui vous couillent à longueur de journée et qui ne vous disent pas que le spirituel et le temporel, c'est une barrière. On vous met hors d'état de nuit, vous et vos gendarmes, à la con. Écoutez-moi très bien. Vous savez, lorsque tu t'attaques impunément à un adulte et que l'adulte a raison, parce que tout marche avec la raison, cet adulte, s'il est doté de certains pouvoirs, peut te condamner. Après, vous marchez partout, vous venez dire, oh, la mère, mes choses ne marchent plus. Un homme me drague lundi, il me jette mardi. Pourquoi il doit te draguer ça? Non, on vous a condamné. Vous blaguez. Vous faites l'intéressant, mais vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Les enfants devraient pouvoir mesurer l'ampleur de ce qui sort de leur bouche. Lorsque vous attaquez un adulte et que cet adulte peut faire pleurer vos parents, il le fera. Aucun gendarme, aucune douane spirituelle ne peut empêcher la riposte de toutes les façons. Parce que lorsque vous allez commencer à errer sans direction fixe, vous savez, j'ai travaillé en psychiatrie et je voyais des jeunes filles très belles, des jeunes garçons très beaux qui venaient tout le temps prendre des médicaments. Tchou, 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 tchou. Ils n'avaient plus de direction. Et parfois, avec mes yeux de visionnaire, derrière ces enfants, parfois, était cachée une main. Lorsque tu m'attaques et que je te donne les avertissements, tu persistes à traîner mon nom dans la boue, tu vas devenir folle. Hey! Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descente Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing, que parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Ok. Ça veut dire quoi? Ta mère va pleurer, elle ne mangera rien derrière toi, tu ne serviras à rien. C'est moi qui le dis et je persiste là-dessus. Parce que tout parent aimerait que son enfant lui donne à manger demain. Est-ce que les mamans sont là? Parce que moi, quand j'éduque mes enfants, j'attends que demain, ils puissent travailler, être bien. Être reconnaissant envers moi. Moi, je ne travaille pas. Je ne me tape pas deux boulots pour leur donner mon argent pour rien. Lorsque tu tapes ta poitrine que tu peux, je te montre que tu n'es rien. C'est de bonne guerre. Après, on ne pleure pas. Hein. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu seras humilié encore sur ces réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris? Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous croyez où? Il y a un adage en français qui dit, quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Dites à vos enfants, chère maman, que le monde est spirituel d'abord, est physique ensuite. Dites-leur que le monde est basé sur trois astrales. L'astral céleste, où vivent des esprits. L'astral aquatique, où vivent les esprits. Et l'astral terrestre, où vivent les humains et les esprits. Ok? Chère maman, vos enfants qui cherchent les problèmes, on va les rendre inutiles à la société. Envoyez-les dans les universités, qu'elles fassent même 10 ans d'études. Elles ne pourront pas rester deux jours dans un boulot. Elles vont devenir folles. Même les fous ordinaires seront mieux qu'eux. Maintenant, si vous savez rédiger des plaintes, nous, on n'en a rien à foutre. On va les mettre dans le même paquet avec leurs gendarmes. On n'en a rien à cirer. Parce que si je voulais regarder seulement les numéros de téléphone des gendarmes qu'il y a dans mon répertoire, je serais en train de... Ça dit, je vivrais à la gendarmerie. Si je voulais regarder le numéro de téléphone des généraux et même de... Dans mon répertoire, il y a même le numéro de téléphone de première dame. Quand je le dis, je suis sérieuse. Vous croyez impressionner qui? Dites ce qui est juste. Quand vous voulez faire votre vie, personne ne peut vous empêcher de faire votre vie. Dites à vos enfants de faire ce qui est juste. Dites à vos enfants de ne pas porter les karmas qui ne sont pas leurs. Quand je donne un avertissement, je passe à l'acte. J'en ai rien à foutre. Même si c'est toute la République qui se met devant moi, je passe à l'acte. Quand un enfant est mal éduqué, il faut qu'on montre à sa mère que tu as raté quelque chose là-bas. Tu vas mal. Au moment opportun, toi la maman, quand ton enfant a fini de porter un karma qui n'est pas sien, vous avez vu la ligne verte? Dans le film La ligne verte, le monsieur qui avait des pouvoirs, qu'est-ce qui s'est passé? Il était acculé par un gendarme
qui était méchant. Il avait en face de lui celui qui était bon. Il a retiré l'esprit qui oppressait celui qui était bon. Il a versé ça sur celui qui l'emmerdait. Nous, on va retirer les esprits qui embêtent d'autres enfants qui sont pollués. On va verser ça sur vous. Shitpot. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. On ne pleure pas. J'ai dit ça combien de fois? On ne pleure pas. Éduquez vos enfants. Parce que moi, personnellement, mon enfant, je suis sûr, ne manquera jamais de respect à personne. Mais si l'enfant d'une femme qui a poussé contraction comme moi me manque de respect, je te rends inutile à ta mère. Elle va marcher partout là où elle veut, elle peut saisir tous les gendarmes latins. Nous, on n'en a rien à foutre. C'est de bonne guerre. Bonne soirée, au revoir. Vous comprenez dans la compréhension? En tout cas, si quelqu'un vous dit, comme j'ai l'habitude de vous dire, qu'il peut avaler une noix de coco, ça veut dire que cette personne fait parfaitement confiance à son anus. Entre-temps, celles ou ceux qui nous ont interdit de ne plus utiliser les images, on respecte. Cependant, on utilise les images de celles ou ceux qui nous donnent encore cette possibilité. Merci de partager la vidéo. Je vous l'offre. C'était le général Franco. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques jours, je vous parlais d'un grand docteur naturopathe. Voilà, au nom de docteur Gadema, qui vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Yaoundé. Rappelons qu'à Douala, il exerce depuis plus de 10 ans. Donc, il vient d'ouvrir ses portes ici à Yaoundé. Et je vais vous présenter ce produit aspirateur magique. C'est beaucoup plus pour les femmes qui ont les difficultés de conception. Les femmes qui cherchent les enfants depuis... Voilà, ce produit est très efficace. Je vais vous présenter également ce produit Manpower. Oui, les 16 hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Ce produit est également très efficace. Enfin, ce produit Natural Prostate pour ces parents qui ont les problèmes de prostate. Je vais revenir plus pour vous expliquer ces produits. Mais entre-temps, contactez le numéro du docteur Gadema qui s'affiche au bas de cet écran. Il est situé ici à Yaoundé, au niveau du quartier Ngousso, juste à 100 mètres du fin cimetière Ngousso. À Douala, il est situé au niveau de Bepanda, entrée lycée, immeuble en carreau blanc avant la gendarmerie. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations concernant ces produits. Très efficace, je vous le dis. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.